Ce qui a sans nul doute marqué ma vie entière, ce fut l'habitude de boire, acquise vite. Les vins, les alcools et les bières, les moments où certains d'entre eux s'imposaient et les moments où ils revenaient, ont tracé le cours principal et les méandres des journées, des semaines, des années. Deux ou trois autres passions ont tenu à peu près continuellement une grande place dans ma vie, mais celle-là a été la plus constante et la plus présente. Dans le petit nombre des choses qui m'ont plu et que j'ai su bien faire, ce qu'assurément j'ai su faire le mieux, c'est boire. Quoiqu'ayant beaucoup lu, j'ai bu davantage. J'ai écrit moins que la plupart des gens qui écrivent, mais j'ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent. Je peux d'ailleurs me compter parmi ceux dont on peut dire « Il y en a qui se sont saoulés qu'une seule fois, mais ça a duré toute la vie. » Je suis d'ailleurs un peu surpris, moi, qui ai dû lire si fréquemment, à mon propos, les plus extravagantes calomnies ou de très injustes critiques, de voir qu'en somme 30 ans, et davantage, se sont écoulés sans que jamais un mécontent ne fasse état de mon ivrognerie comme d'un argument, au moins implicite, contre mes idées scandaleuses. J'ai d'abord aimé, comme tout le monde, l'effet de la légère ivresse. Puis, très bientôt, j'ai aimé ce qui est au-delà de la violente ivresse. Quand on a franchi ce stade, une paix magnifique et terrible, le vrai goût du passage du temps. Par ailleurs, certaines de mes raisons de boire sont parfaitement estimables. Je peux bien afficher, comme l'hypo, cette noble satisfaction. Depuis 30 ans, je cache ma renommée dans les tavernes. La majorité des vins, presque tous les alcools, et la totalité des bières dont j'ai évoqué ici le souvenir, ont aujourd'hui entièrement perdu leur goût. D'abord sur le marché mondial, puis localement. Avec les progrès de l'industrie, comme aussi le mouvement de disparition ou de rééducation économique des classes sociales qui étaient restées longtemps indépendantes de la grande production industrielle, et donc aussi par le jeu des divers règlements étatiques qui désormais prohibent presque tout ce qui n'est pas fabriqué industriellement. Les bouteilles, pour continuer à se vendre, ont gardé finalement leurs étiquettes, et cette exactitude fournit l'assurance que l'on peut les photographier comme elles étaient, non les boire. Ni moi, ni les gens qui ont bu avec moi, nous ne sommes à aucun moment sentis gérer de nos excès. Au banquet de la vie, nous nous étions assis sans avoir pensé un seul instant que tout ce que nous buvions ne serait pas ultérieurement remplacé par ce qui viendrait après. De mémoire d'ivrogne, on n'avait jamais imaginé que l'on pouvait voir des boissons disparaître du monde avant le buveur. On conçoit que tout cela m'a laissé bien peu de temps pour écrire, et c'est justement ce qui convient. L'écriture doit rester rare, puisqu'avant de trouver l'excellent, il faut avoir bu longtemps.